fait un petit clap. Le mot, ça va être rencontre, je pense, parce que ça a été une journée extraordinaire, des rencontres avec des chefs étoilés, des chefs qui ont reçu le Bocuse, beaucoup d'échanges, c'était génial. Une opportunité comme ça de pouvoir partir à l'étranger un an dans des pays que j'aurais pas forcément visité dans d'autres situations, ça attire. Bah, forcément, on y croit parce qu'on a envie de réussir, mais on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Et quand ça paye, c'est génial. Et quand si ça marche pas, c'est juste une belle expérience. Et c'est toujours des choses à prendre en fait. Faut toujours essayer de voir le positif dans tout ce qu'on fait. Donc, je m'attendais pas à partir si tôt. Ouais. Je pensais faire comme un peu le parcours de tout le monde. Ça se fait différemment. Je vais faire des très belles maisons, mais à l'étranger. Et au final, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce grand départ ? Eh bien, de réussir à tenir la cadence et réussir à bien gérer tout et à profiter au maximum.